Bonjour à tous et toutes, c'est Dark et non. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas sur Fallout, mais sur un autre jeu, Zoo Tycoon. Le but de ce jeu est de faire un zoo et de le faire prospérer à travers les mois et voire les années. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? C'est tout simple. J'étais chez WAM, je pouvais pas faire de vidéo vu qu'on est le week-end et que mes parents et ma soeur pensent que nous sommes en train de jouer sur un match de foot ou de basket ou ce que vous voulez. Donc je me suis dit, je m'emmerde bien, je veux dire clairement, je m'emmerde. Et je me dis, pourquoi pas faire une vidéo? Donc je regarde ma ludothèque en quelque sorte. Et puis je me fais, mais attends, j'ai juste là, c'est marrant. Et puis les gens me regardent pas spécialement pour regarder du Fallout, peut-être qu'ils aiment bien ma voix, peut-être qu'ils aiment se foutre de moi, peut-être parce que je l'ai fait, je sais pas. Donc je vais voir. Si jamais des gens semblent plus ou moins s'intéresser, je continue, ou peut-être j'en ferai une de temps en temps pour me marrer, pour passer le temps. Si jamais il y a pendant 2-3 jours à cause de X raison, on peut pas mettre de Fallout, je mettrai ça. Mais puis on va voir. Allez, on va commencer. Donc j'ai créé un tout nouveau personnage. Je vais vous passer les 10 tacticiels, je vais vous apprendre le truc en le type de jeu en jouant. Donc on va tout de suite lancer la première partie. Donc je vais commencer. Ok, d'accord, on va dire à 52. Mal au bras. J'ai mal dormir cette nuit. Alors l'introduction, donc parce que je l'ai fait un petit peu pour tester le son, tout ça. Ici c'est un mec qui veut nous donner son zoo. Bon, je vais le faire passer et vous ferez pause. Il veut nous donner son zoo, mais il sait pas si on veut bien s'occuper, donc on va dire qu'il nous teste. Il nous donne ces trois animaux. J'ai fait partie suspendue, je vais vous expliquer après. Un lion, un ours polaire et un hippopotame. Donc on prend les caisses, on peut les transporter comme ça, même pendant le menu pause. Hein. Pendant le menu pause, on peut quasiment tout modifier. Hein. Ça permet de gagner du temps en quelque sorte. Donc l'hippopotame dans le biome, je crois que c'est marais, je sais plus. L'ours polaire dans le biome neige et le lion dans le biome savane. On va le mettre en lecture dans le biome marécage. Donc on va aller bébé l'hippopotame. Donc un animal, une fois dans son biome qui lui est adapté, il lui faut un abri. Là, il n'en a pas besoin, mais il faut toujours lui donner un abri. Donc on va lui donner cet abri. On le fait tourner une grâce aux flèches. On peut même le faire tourner directement. Là, oula, 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 pas grave. On peut le déplacer. Non, pas grave, il va rester là. Il a également besoin de manger et de boire, donc on lui donne de l'eau et puis un truc de laitue, et puis une petite balle, et puis on va développer la balle et le grattoir pour qu'il s'amuse. Maintenant on va passer à l'ours polaire, on libère l'ours, donc comme il a besoin d'un abri, donc on lui donne un abri, de l'eau et du poisson. Et maintenant autour du lion. Le lion, donc un abri. Oui, le début c'est toujours pareil, surtout lorsqu'on est excellent, vos animaux se sentent comme chez eux dans leur nouvel enclos. Heureusement, je fais tout pour satisfaire leurs besoins. On peut également aller directement là, on va dans animaux et puis on va dans la bouffe, mais bon, là on a tout, donc c'est mieux d'aller directement sur l'animal. Aller dans sa bouffe, aller dans eau et lui mettre son eau et sa nourriture. Ah, la recherche concernant les trucs de jeu, les objets de bien-être sont finis, donc on va lui mettre un grattoir. L'hippopotame, on va lui mettre, je sais pas moi, on va lui mettre une balle et puis à l'ours, on va lui mettre un grattoir. Oui, il accepte le grattoir? Ah merde, il accepte pas le grattoir, c'est con. Bon, on va mettre le grattoir à l'hippopotame et la petite balle à l'ours. Maintenant, pour s'occuper de tout ce petit monde, il faut bien quelque chose. Donc, on va lui donner. C'est où?
Oui, voilà. Il faut bien quelqu'un, parce que donc on va mettre un soigneur qui s'occupera de tous les, on va dire, déjections d'animaux. Hein, parce que bon, après avoir mangé et bu, les animaux lions font comme nous. Hein, ils vont aux toilettes, sauf qu'ils n'ont pas de toilettes, donc ils font ça de leur enclos. Voici un exemple qui illustre Média. Désolé de ce petit bug, j'ai dû remettre ma fenêtre un peu droite parce que je voyais pas le bord. Lorsqu'on clique sur un hippopotame, on peut voir ce qu'il va faire. Là, il va aller dans l'eau. Là, on peut voir il n'est pas menacé, c'est une femelle. D'où il vient, le biome qui lui convient. On va ouvrir le zoo maintenant qu'on a des animaux. On a mis le prix moyen à 20 dollars pour tout le monde, hein, c'est pas c'est 20 dollars pour tout le monde ou 10 dollars ou 30 ou 40 dollars, je sais plus au max. On peut fermer l'entrée gratuite. Je sais pas si on les entend bien les bruitages derrière, mais on peut entendre des fois des espèces de gloussements de, je sais pas vraiment, je crois que c'est des cochonneries, mais je suis pas sûr. Ouais, on a plusieurs biomes, donc là on peut modifier le biome comme on veut. Mettre de l'eau moins plus ou moins profonde. On peut aussi agrandir, on peut en mettre en plein là, pof, en plein milieu. Parce que là ça marche pas. Oula. On a déformé tout le terrain. Donc maintenant les gens qui sont vont rentrer là, ils vont sûrement arriver les gens. Voilà, quelqu'un est rentré. Je vais vous définir la personne. Donc on a son nom, hein, c'est un nom à elle, généré aléatoirement. Ce qu'il a besoin, bien-être, il est heureux, la faim, la soif, la fatigue, l'amusement et l'envie d'aller aux toilettes. Là, on peut voir dans son état les objets qu'il a achetés, le montant d'argent qu'il a. Attends, le gamin, il doit avoir quoi, 10 ans à plus casser, il a 450 dollars dans ses poches. Bien. Ah, il a son animal favori est un hippopotame. Et comme par hasard, j'ai un hippopotame. Là, on peut voir des réflexions qu'il se fait lui-même. Super, on peut lire dans la tête des gens. On est plutôt spécial comme mec, quand même. Mais bon, ces personnes-là, on peut mettre, bien sûr, c'est vraiment qu'on a besoin, mais on peut mettre un distributeur automatique de billets. On peut mettre des toilettes, parce que bon, ces gens doivent bien aller aux toilettes un bout d'un moment. Hein. Ils sont humains. Donc, on va mettre des toilettes. Également un truc pour leur donner à manger et pour leur donner à boire. Et puis à côté de tout ça, ils ont des, on peut mettre soit des bancs ou des tables de pique-nique ou des bancs pour se reposer ou manger. Et on peut également mettre des poubelles. Bah oui, hein. Sinon ils vont balancer les ordures par terre et puis bon, c'est pas écologique, quoi. On peut mettre des boîtes à dons. Si jamais les gens sont contents de voir les animaux, ils vont mettre de l'argent dans les boîtes à dons pour nous faire un peu plus d'argent. Donc on va mettre Toundra. Qu'il y a des boîtes style Toundra. On va mettre une autre là. Pof. Je vois, vous, ils ont fait un truc, ils ont pu continuer à faire style peut-être, je sais pas. J'ai fait donc le tour, hein, de donc les j'ai pour donc. Maintenant, on va passer au transport en quelque sorte. Donc, on peut installer une gare de Jeep. On installe par exemple la gare. Il faut mieux l'installer au centre, hein, des enclos. On va le mettre là. Ensuite, on trace des routes donc à chacune des deux sorties, comme cela. Sûr, hein, il faut faire gaffe, hein, des fois on est obligé de faire des objets, de déplacer des objets, mais bon là je le fais vite fait, hein. Tac. Donc on va, donc vous avez compris, ensuite on rejoint les deux bouts et puis ça nous fait de toute façon, j'ai rien d'autre à faire parce que maintenant il faut juste attendre, donc autant le faire.
peut-être le mettre dans les... On va les faire continuer un peu par là. Et on va faire le tour. Ah, un petit problème d'architecture là. Et ouais, c'est les problèmes de... On va longer tout ça. Donc j'ai deux. Parce que de toute façon, je vais vous montrer comment faire. Parce que de toute façon, on n'a plus rien à faire à part attendre. Donc... je vais aller déplacer sa gamelle. Parce que c'est la gamelle de l'hippopotame qui nous embête. Potame, bouge-toi, tu nous embêtes. Là, toi, tu vas venir là. Et on va pouvoir finir. Donc, on va déjà... Tac, tac. De quoi, qu'est-ce qui nous embête maintenant? Je vous jure. Et voilà, on a fini notre circuit de Jeep. Il faut mettre des routes pour accéder à l'entrée et à la sortie. Parce que les gens ne s'y déplacent pas tout eux-mêmes. On va enlever les arbres. Alors qu'on enlève des arbres comme ça, on les détruit bien sûr, mais on les envoie pas à la casse. Tout simplement, on les vend pour se faire un peu d'argent. On ouvre et il faut bien sûr après acheter une Jeep. Truc très important lorsqu'on traverse des routes, il faut mettre des barrières au niveau de la route. Comme ça, lorsque la Jeep la traversera, les se baisseront automatiquement et les gens s'arrêteront. Donc les barrières, lorsque la Jeep va arriver à ce niveau-là, la barrière va s'abaisser, donc la Jeep pourra continuer. Ensuite, selon le modèle de Jeep, hein, l'entretien par mois ou par je sais plus du tout comment se machine l'entretien. Et puis on peut aller directement, et normalement en appuyant sur les touches, on peut se déplacer. Là, il n'y a que 3 places, on est 1, 2, 3 et 4. Et on peut voir ce que voient nos... Les gens s'en foutent, hein, s'ils ont le mal de mer ou pas. Hein. Ce qui les intéresse, c'est de voir les animaux. Pour ensuite vider les poubelles et... Par exemple, on peut mettre un agent d'entretien qui va aller s'empresser de vider les poubelles, évalue deux zoos. Attends, une nouvelle tâche, je sais pas, vider la poubelle. Et puis le dernier, on peut également, si jamais on ajoute 2-3 animaux, se déplacer en mode visiteur, mais vu qu'on est le... On peut également rentrer par le... Et puis on peut aller nous-mêmes aller remplir les fonctions du soigneur. Bon, c'est où? Ah, il est là, il joue. C'est ça, amuse-toi le ours. Regardez, ça va, le temps est bon. Et on peut également passer en mode photo. On se déplace beaucoup moins vite dans ce sens-là. Parce que des fois, on a des séances photo, genre prendre le lion en train de manger, prendre l'hippopotame en train de jouer avec un autre hippopotame, regarder l'élan se gratter les bois sur un arbre, des trucs comme ça, quoi. Et on peut voir qu'il y a une boîte à dons pour la Jeep. On va en acheter une tout de suite, une autre. Et puis, on va vendre celle-là. Ouais, les gens sont dans la Jeep. Et pour agrémenter le voyage, on peut également mettre des décorations. Par exemple, une statue Stine Toundra près de l'entrée de la Toundra pour dire on arrive là. Ça fait plaisir aux gens. Ils voient une petite cascade, là, une petite fontaine. Ils sont contents. Quoi, c'est toujours ça. Hein.
Et on arrive bientôt à la fin du mois. J'ai donc tout montré. On peut développer des choses comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut également développer des jouets. Et puis les passerelles. Donc on peut créer une. Déjà, il faut déjà créer une montée de passerelles. Hein. Les gens vont pas voler sur la pa vont pas aller grimper sur la passerelle. Hein. Bon, on peut toujours enlever ça si vous voyez que ça peut gêner l'animal pour aller par exemple dans sa maison. Ensuite, on prend les. Encore une fois. Et on crée une descente. Une descente, j'ai dit. Super. On va retourner en arrière. Ça annule la dernière action qu'on a faite. Oula. Voilà, c'est mieux. Et voilà. Les gens peuvent toujours passer en dessous. Hop là. Il se passe un petit bug, excusez-moi. Vous pouvez voir les gens qui sont contents d'être dans la Jeep. Bien sûr, comme pour la guerre du Jeep, faut mettre des routes à l'entrée. Ah, voilà, fini le mois. On a réussi la mission. La personne est contente. Vous avez centré, vous avez démontré que vous comprenez que chaque animal a besoin de son propre habitat pour prospérer dans l'environnement d'un zoo. On va continuer. Vous continuez à jouer le scénario. Non, on a pigé. On va jouer le scénario suivant. Je suis désolé si des fois j'ai l'impression de parler comme un prof. Je ne suis pas là pour donner de leçons, mais bon, c'est bien pour expliquer aux gens, pour vous expliquer à vous, pour qu'ensuite, lorsque je fais quelque chose assez rapidement, par exemple, faire vite fait un truc de zoo, placer une boîte à dons, que vous disiez, bien, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il détruit le. C'est pour vous expliquer comment faire. Donc, création d'un zoo réussi pour vos animaux comme pour vos visiteurs se fait en plusieurs étapes dans votre nouveau zoo. Vous allez devoir progresser avec une méthode, une chose après l'autre, pour faire de votre établissement un lieu de visite très apprécié. Votre zoo a reçu deux aides communes en donation. Les visiteurs apprécient de les voir vivre ensemble. Ces nouveaux arrivants devraient favoriser l'intérêt des visiteurs pour votre zoo. Je suis désolé, mais j'ai pas l'habitude de parler, j'ai plutôt l'habitude d'improviser mes textes, quoi. Il faut créer un zoo, un enclos pour ces deux zèbres. Donc je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais enregistrer ma partie. D'accord. On va faire. Ok. Partie enregistrée. Ok. On va pas quitter le jeu. On va revenir au menu principal pour voir. Donc, je vais vous dire au revoir sur ce magnifique menu. Très joliment décoré. Qui est arrière fond qui change parfois. Hein. Il y a 4-5 fonds différents. Donc, on va les voir sûrement tous. Ce n'est pas une aventure suivie, j'en ferai lorsque j'aurai le temps, lorsque je voudrai en faire. Et ça sera pareil pour l'envoi, je les montrerai quand j'aurai le temps et je les enverrai quand j'aurai le temps. Sinon, bah, j'espère que vous allez être aussi nombreux à suivre, voire plus, hein, que vous ne savez jamais, hein, peut-être que ça va faire plaisir aux gens de voir un truc comme ça, c'est pas tous les jours qu'on voit un truc comme ça. Donc je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine, merci à tous, au revoir.